Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus ce que je voulais faire, ça y est. En fait, j'ai tellement de trucs à faire que je sais plus ce que je voulais faire. Si je tentais de... Ah non, raté. Je tentais de faire une parade parfaite, là, juste pour le fun. Raté. Raté. Toujours raté. BOOM! Voilà. Je vais en vie. Bref. Je vais... Oula. Pardonner mes feuilles qui sont devant moi. Putain, un jeu qui m'aurait fait faire sortir un papier crayon, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Je crois que depuis, ben... les premiers Zelda, ça m'était plus arrivé. Ou les derniers, je sais plus. Je me rappelle pas. Bref, il y a un Zelda où j'ai dû sortir un papier crayon et j'étais là, wow, meilleur jeu du monde! Et là, je suis là, putain, ce jeu, il me fait chier! Alors qu'en fait, non, c'est le meilleur jeu du monde aussi. Ouais, sort de recherche! Ah! Il y a un truc là-bas. Ouais, je savais pas quoi faire, donc j'ai lancé un sort de recherche au pif. Ça coûte rien à lancer. À part quelques touches. Ya! Yeah. Toi, je te tape. C'était peut-être là-dedans? Dans le trou? Attends, fais voir. Sort de recherche. Ah. Non, c'est pas là-dedans. Ah, c'est là! Il y a un truc à faire là. Ah, il y a encore une énigme à faire ici? Ce serait quoi? Oh non! Je crois que j'ai compris. C'est un peu le même genre. Oula! C'est un peu le même genre d'énigme que les fleurs. En fait, là, vous voyez, il y a un petit carré. Là, il y a une forme avec deux petits carrés. Et là, trois. Et donc, je pense qu'il faut que je fasse. Au bas gauche-droite, dans l'ordre de ces formes. On teste? Vas-y, on teste. Donc, ça ferait. Merde. Il y en a combien? Il y en a 5. Donc ça ferait... Attends. Là en haut, il y en a 5. Là, il y en a 4. Là, celle-là, elle en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par élimination, celle-là, elle en a 6. Celle à droite. Donc, si je fais... Tac, gauche, gauche, bas, haut, droite, bas. Bordel de merde! Tout ça parce qu'on a lancé un sort de détection au pif. Et ça, c'est indiqué nulle part non plus. C'est indiqué nulle part. Ça, tu peux passer devant et t'en battre les couilles. Si je lance un sort de recherche. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oh oui, encore autre chose. Continue de m'alimenter. Feed me, Timbers. Attends. C'était en dessous, là? Genre si je fais... T'es pas déjà venu là? Ah si, on était déjà venu là. Je crois que ça c'est l'énigme avec le cube de mémoire. On était déjà venu ici. L'énigme du cube. La énigme del cubo. Par contre putain dans le noir c'est stylé. Ah non, c'est pas l'énigme du cube. C'est l'énigme du cul. C'est celle qu'on aime pas. Je t'aime pas l'énigme. Je te ferai plus tard, promis. Alors où j'en suis? Bah du coup on a qu'à faire l'énigme du cube. On sait où elle est. À peu près. Je me l'étais noté, l'énigme du cube elle est... vieille demeure, juste en dessous, statue de droite. Vieille demeure juste en dessous. Alors par contre, arc du passé, s'il te plaît. Comment dire? Je sais que tu fais ce que tu peux, mais mets des meilleures indications, s'il te plaît. Voilà. Signé Arc du Présent. Oh, je peux monter là-dessus. Donc, vieille demeure. Attends, vieille demeure, c'est écrit quelque part, de toute façon, sur la carte. Tu sais. Ah, c'est ça. Vieille demeure, c'est là où je suis. Donc, en bas, statue de droite. Ah, ok, c'est bon, je me rappelle. C'est juste en dessous de là où on se trouve. C'est vrai que d'ailleurs que depuis le temps on a toujours pas retrouvé de pièce. Hein. Peut-être qu'on s'en fout. Bah ça c'est la statue de gauche. Parfait. Maintenant on fait la même chose mais à droite. Merde! Je peux pas monter par là? Ah si je peux. Putain, et ce truc, on peut littéralement y aller dès le début du jeu en fait.
Genre dès le début du jeu, imagine tu lances une bombe. Ah mais attends, le cube va tourner. Tu lances une bombe ici sans faire exprès. Tu rentres dans cet endroit chelou, il y a un cube doré qui tourne, t'es là mais. What the fuck? Bref, le cube. Le cube il tourne, ça donne des directions. Vite, nouvelle feuille. Vas-y. Donc, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 3, 3. Putain, je crois que c'était bas. Ah, je me suis perdu sur la fin. On va tester si c'est ça. Ah! Ah, mais il le refait à l'infini. Très bien. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. C'était pas ça. On la refait. Putain. Et là, j'appuie sur deux touches en même temps. Ah, c'est terrible de se concentrer. Hashtag stream débouché. Donc, on va juste regarder à l'œil nu. Comment est-on donc? Une. Attends. En fait, faut que je me concentre sur les arêtes ou sur le cube. On va re-regarder. Donc là. Là, il fait rien. Il va tourner une fois vers la droite. Une. Deux. Trois. Quatre. Une. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, mon Dieu, mon cerveau. Et salut à toi, Étaline. Bienvenue à toi, amigo. On est en train de résoudre l'énigme de ce cube qui nous donne des directions enchantées. Voilà. Donc là, il va tourner normalement 4 fois à droite. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 en haut. 1, 2. 3 à droite, 1, 2, 3 en haut, 1, 2 à droite, 1 en haut, 2 en haut, 1 à droite, 1 en haut. Non, je me suis trompé, c'est 1 ou 2 à droite à la fin. Ah! Vas-y, recommence le cube. Donc là, ça fait droite, c'est bon. Haut. Droite. Fait de la musique en plus, le cube, c'est rigolo. Haut. Droite deux fois. 1, 2. Et haut, ça fait 1, 2. Deux en haut et une à droite et une en haut. Deux en haut. Deux à droite et une en haut. Je suis con, j'avais mis en bas. Je me rappelle la dernière fois ce cube. J'avais pas réussi à résoudre le truc parce qu'en fait je faisais qu'une seule fois chaque direction. Mais depuis, j'ai grandi et j'ai appris qu'on peut faire plusieurs fois à la suite certaines directions. On va tester ça maintenant. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Peut-être se mettre là. Attends, sort de recherche. Ouais, c'est ça, fallait se mettre là devant le truc. Fallait se mettre là. Ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bah non. Je me suis trompé quelque part, ça veut dire. Ou alors peut-être qu'il faut faire qu'une seule fois chaque direction? On va tester. 1, 2, 1, 2,
1, 2, 1, 2. Non. Non, non, et puis c'est pas des murs qu'on peut faire péter, j'ai l'impression. Mon dieu, mon cerveau. Mein cerveau. On va la refaire. Donc, mais d'accord, là on tourne. 1, 2, 3, 4 à droite. 1, 2, 3, 4 vers le haut. 1, 2, 3, 4. Ah non, ce serait. Oui, 3. 3 vers le haut. 1, 2 vers la droite. 1, 2 vers le haut. 1. Ah, ce serait ça en fait où je me suis trompé. Tourne qu'une fois à droite à la fin, genre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, c'est ça, je me suis gouré. Enfin, comment peut-on se gourer sur une telle énigme? Enfin, bordel de merde. Évidemment que c'est dur, ça me demande de rester concentré, vous êtes des grands malades. Comment vous voulez que je reste concentré? Je peux pas. On avait dit quoi? Le cube chelou. Il est fait. Ah, je m'étais noté, ouais, la statue du chemin vers la forêt de l'Est qu'on a fait juste avant, c'est fait aussi. Et j'espère que tu passes une bonne soirée, mon cher Ethanine. Plus tard, on va sûrement jouer à League of Legends, donc si tu ne comprends rien pour l'instant, t'inquiète. Un peu plus tard dans la soirée, on naviguera vers les cieux de la toxicité. De la toxicité éclairée. Oui, maintenant, il faut que je trouve comment on retourne à la cathédrale de jour. Nouveau défi. Nouvelle règle. Cathédrale, c'est par là. Oh là, ce petit Naruto run, il est trop mignon. Bref. Hop là. On va faire ça. C'est. Puis c'est. Ensuite, utiliser le dash divin. Ça. Ça. Ah, maintenant, on est obligé de passer par là, en fait. Et je crois que par là, on est vite bloqué, genre, non? De mémoire? Pas un truc comme ça? Tu fais tchouk, 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 tchouk. Ou pas. Peut-être pas bloqué. Attends. Tchouk. Tchouk par là. Ah! Ah! Fallait faire tchouk par là! Bon sang, mais c'est bien sûr. Là, tu fais tchouk, tchouk. Tchouk. Comment j'ai fait à pas réussir l'autre fois? Ah bah non. Y'a rien par là, y'a même pas une échelle ou un truc secret. Comment j'avais fait l'autre fois? Ouais. Je viens pour tes beaux yeux, oh mon dieu, tu es trop mignon. Ah, mais on peut rentrer là-dedans. Ah bah oui, on peut rentrer là-dedans, vu que de toute façon ça nous ramène vers le boss rush. Bah non, c'est pas là qu'on veut aller, nous. C'est pas là qu'on veut aller. Merde, mais... On peut passer par là, peut-être? Je ne comprends pas. Comment on fait pour y aller? Comment on fait pour aller là-bas? Ah, attends, on peut passer par là, je crois. Ah ouais, mais ça ne sert à rien. Ouais, on peut peut-être aller par là aussi, mais ça ne sert à rien non plus. Non, mais sans déconner, là, il y a un chemin caché, il y a un truc que j'ai pas vu. Il y a une échelle de corde, il y a quelque chose. Non, sans rire. Donc là on s'en fout, ça sert à rien.
Ouais, sigil avatar, ok. Par là, ça mène nulle part. C'est chiant. On a peut-être pas pris le bon chemin, genre si je fais par là plutôt. Into par là, on peut pas. On peut pas non plus. Par là non plus. Je suis coincé. Je suis coincé en fait, Comment dire? Là, j'ai résolu une énigme, mais je ne peux pas atteindre ma récompense parce que Prout... Oh, il y a un coffre en bas, trop cool. La prochaine fois que je le viens, je saurai. Ah non, on peut pas passer par-dessus, l'eau. Attends, est-ce qu'on peut passer par là? Ah non, on peut pas. Oh, attends, j'ai une idée de fou. Attends. Retour au jeu. On a appris un truc tout à l'heure, on a appris un tour de passe-passe. On peut faire ça. Ça. Et là, si j'arrive à geler cet ennemi, comme on a fait tout à l'heure, peut-être que on peut passer. Toi, je te gèle et maintenant je te grappine. Oh, le génie! Je pense que c'est ça. Grappin. Ah, mais t'as un fusil à pompe sur toi. Ah, d'accord. Ok, très bien, monsieur. Meurs. Et... Ok, donc là il y a un coffre littéralement sous nos yeux ébahis. Bon, il n'y avait rien de très intéressant dedans, mais voilà. Il y a des cadavres de petits renards, enfin des cadavres, des statues de pierre. Ah, c'est cool, on peut enfin visiter cet endroit de jour. Mais par contre, ah non, mais il y en a encore un autre ici. Meurs. Va-t'en. Voilà. Et bordel. Arrêtez d'être aussi nombreux, les ennemis. Là, la porte, elle est fermée. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter, hein. Ah bah si. Merde. Ah non, on peut passer par là, du coup. C'est bon. Attends, mais du coup, si je passe par là... On est d'accord, ça mène nulle part, nickel. Non, je peux pas y aller du coup. Mais attends, mais je me suis bloqué. Faut pas passer par là. C'est ça que t'es en train de me dire, le jeu. Ah, à mes souhaits. Bon, mais alors par contre, d'accord, mais comment on sort du coup? Parce que j'ai l'impression que je suis arrivé ici d'une manière un peu tarabiscotée et que je suis pas censé être là. Du coup, ma question maintenant, c'est comment on se casse d'ici? J'espère qu'on n'est pas bloqué cet endroit. Bon, a priori, avec le dash, on devrait pas être bloqué. Hein? Ok, nice. Oh, ce petit chemin! Ils avaient tout prévu, ils savaient qu'on serait bloqués comme des gros nazes. Mais alors du coup, comment on fait pour aller à la cathédrale en mode... Enfin, quand il fait jour? Comment on fait? Je veux le faire, je veux y aller, je veux y arriver. C'est chiant. Pas aller sur la maison, tout de la maison apparemment. Non mais si, je crois que c'est bien par là qu'il faut aller, hein. C'est... Ça suit un tracé, tatatitatata. Puisqu'il nous manque de la data en fait. Pas là on peut pas. Non. Pas là on peut. Pas là on peut, mais on va être bloqué. Mais il doit y avoir une échelle à un endroit que j'ai pas vu.
Peut-être derrière là, non. Quel enfer! Pourquoi n'y arrive-je pas? C'est pas par là non plus. Non. Non, non, non. Non, non, non. Là, on a dit ça, VHC. Là, par là, pareil. Il doit y avoir un truc, là, de ce côté. Je pense qu'il y a un truc ici, il doit y avoir un passage secret qu'on n'a pas activé. Ce que je vais faire, je vais revenir ici en mode nuit. Parce que bon, on dit qu'on se l'était noté, mais faut bien qu'on le fasse un jour. Hein. Bien se donner les moyens un peu. Yatatata ! Le dash divin ! J'ai plus d'énergie. Là, je remonte, tac tac. Ah, c'est chiant, du coup, il faut retourner jusqu'à la maison, dormir, revenir ici. Ouais. Attends, petit coup de. Sort de recherche. Ah! Ah non, oui, mais c'est le truc sous le pont. Attends, c'est le truc sous le pont. C'est le truc auquel je pense. On l'avait jamais fait ça, on n'était jamais venu ici. C'est quoi ce truc? Attends, tu vas me dire c'est ça le motif? Oh, allez vous faire foutre! Oh, attends. Parce que là, ça va un peu vite. Je pense que je vais utiliser... Zawardo! Mais attends, mais en plus ça change de position continuellement. Attends. Ouais. Comment je suis censé faire? Ça change de position en continu. Voilà, faut commencer par là. Ah, d'accord. Paf! Donc, on va essayer, hein. On promet rien. Donc là, ça fait comme ça. En bas. Au-dessus, comme ça, comme ça. Non, mais il est même pas là, le point. Mais attendez, il y a plusieurs points. Et je suis censé faire comment? Il y a un motif qui dessine au bout d'un moment, c'est ça? Mais attendez, mais c'est le bordel! En plus, ça m'a niqué tout mon mana. Ah, attends, donc il y a un truc ici, je vais me le noter, tiens. Donc, énigme clochette, c'est fait. Ah, et du coup, en fait, toutes les contrées sauvages. Sous le pont avant le cimetière. Énigme chelou, décidément. Entre le l'autre énigme chelou et cette énigme chelou, on a que des énigmes chelous sous les ponts. Motif sur les murs. Slash sablier pour interrogation. Ça me paraît chaud le sablier parce que il faut de la mana du coup pour le sablier. Genre la mana ça pousse pas sur les arbres. Enfin si,
En soi, si, parce que tu peux bouffer des myrtilles pour récupérer de la mana, mais... Mais ça fait chier. Et non, pas vous. Attends. Merde. Attends, je récupère de la mana. Attends, si je fais un sort de recherche ici. Qu'est-ce qui se passe? Non, là, ici, y a rien. Ah. Un truc par là. Ah, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc par là. Je vais le refaire. Ah, ils ont l'air de dire qu'il y a un truc là-bas, en fait. Grappin! Mais là, je suis bloqué. C'est ici? Non. Ah putain, il y a un truc là-bas. Bon. On va laisser l'énigme chelou de côté pendant 2 secondes. Et on va se concentrer sur... Oh, un papillon. Ah! Des ennemis. Mourez. Périssez par ma lame. Périssez par Balab. Car je suis balade. C'était par ici, je crois. Sort de recherche. Indique-moi le chemin. C'est... En haut. Ah non, des ennemis. Non, c'est en bas. Ah putain, je vais... Je viens de voir un truc en ciblant l'ennemi, là. Il y a de la perspective. Il y a un petit chemin, là, je crois. Oui. Oh, mon Dieu. On est passé devant 12 000 fois. Et on a encore lancé un sortilège au pif. Oh, attends. Oh, excellent, il y a un secret dans le secret. Ils aiment trop faire ça, ces salauds. Genre, ils te donnent une petite croquette en mode « Tiens, il y a des pièces d'or et tout. » Et derrière, il y a vraiment une énigme. Un autre truc. Un monstre, je veux le tuer. Ah non, je peux pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je peux même pas le cibler. Oh putain, il fait des directions. Alors... Ouais, mais la question, c'est s'il part de où, en fait? Comment je sais quand est-ce qu'il s'arrête? C'est quoi le début? On va l'observer quelques temps. Observons le monstre dans son habitat naturel. Ah! Il a fait une diagonale, donc il va revenir à son point de départ. J'ai le hockey. Pourquoi je suis balade? Bah, je sais pas, je crois que j'ai chopé froid. Ah, vas-y, petit monstre, commence. Donc là, il fait bas, rebas, droite, haut, droite, bas. Gauche, bas, droite, haut, vraiment très en haut, droite, bas. Bon, t'as fini, Zouzou, là? Ton petit footing, comment ça se passe? Et c'est fini. Ça, c'est le soir endiablé. Oui. Non, enfin, je sais pas. Je sais pas comment... ouais, je chopais un petit rhume, quoi. Ça, en gros, c'est à force de faire du chaud-froid, chaud-froid. Alors, attends, je fais vite fait l'énigme. Ah, c'est ça. Ça, c'est à force de faire du chaud-froid, chaud-froid, ça. Parce qu'il y a eu un petit redou en cette saison. Et entre les moments où je suis dehors à vélo et j'ai chaud alors que dehors il fait froid. Et puis je vais à l'intérieur il fait chaud. Et puis en fait je bouge pas et du coup bah j'ai froid et je remets mon pull et machin. Donc en fait je pense que je tombe malade comme ça. Parce que je mange pas assez de fruits aussi. Qu'est-ce que je voulais faire? Sortilège de recherche pour être sûr que j'ai rien loupé. Ouais non là, là il n'y a plus rien. Ah, ça, c'est les soirs endiablés chez Boris. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. On va retourner... alors, qu'est-ce qu'on fait? 2 choix s'offrent à nous. T'aurais un SUV. Ouais, mais un SUV...
Du coup, même souci, je mettrai le chauffage de mon SUV, je sors, j'ai froid, bim. Et voilà, je tombe malade. Bref, deux choix s'offrent à nous. Est-ce que on va à la cathédrale, revenir de jour, ou est-ce que on retente de faire le motif chelou de la cascade chelou du cul. J'ai envie de dire, on est... j'ai pas envie de faire le motif. Voilà, du coup... Je vais revenir à ma maison. Genre, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Maison. Dormir. Puis en plus, les SUV, ça pollue. Hein. C'est pas bien. Oh. 20h08, déjà fatigué pour l'interrogation? Ce streamer débutant n'a donc aucune endurance? Oui. On disait cathédrale, parce qu'au pire, je pourrais revenir ici en revenant de la cathédrale. Et voilà, ça fera sur le chemin. Valou, valou. Par contre, Ethanine, je reste pantois de la diversité d'émojis que tu utilises. Genre, moi, littéralement, sur les chats Twitch, mon vocabulaire d'émojis, ça se limite à... Lul, Not Like This, Cœur et Emoji souriant quand je suis sarcastique. Oula, attends. Merde, parce que du coup là mon bloc-notes cache mon chat. Hop. Alors que streamer c'est pas fatigant, tout le monde sait ça. Bah non, c'est pas un vrai boulot. Streamer, c'est pas un vrai métier, tout le monde le sait. J'en parle dans mon livre. Aïe, aïe, aïe! Mais en fait, attends, il y a les connards qui m'ont suivi de là-bas. Attends. Attends. On va rentrer là-dedans. Bientôt, j'en aurai moins. De quoi, d'emoji? Pourquoi tu auras moins d'emoji? Tu vas unsub à une chaîne? Donc là, comment on fait à passer de là en bas à là en haut? Pas en fait. On peut juste pas passer de là en bas à là en haut. C'est impossible. Parce que là, je sais qu'il y a une échelle secrète. Pas trop le choix. Ah ouais, bah je comprends. Hein. Des choix ont dû être faits, je suppose. Donc là, je sais qu'il y a une échelle secrète, elle m'amène en bas. Mais sauf que d'ici, je peux pas aller là-bas. Bah non. D'ici, en fait, je suis bloqué. Je peux aller littéralement nulle part, en fait. Pas comme s'il y avait un chemin secret ou... voilà, mes couilles. Non, y a rien. Donc voilà, ça, c'est là où on était. Et là, alors déjà là il y a un coffre que j'avais même pas vu, parce que je suis aveugle. Aveugle man, c'est moi. Ouais non, j'allais dire ralentir le temps, ça éclaire pas du tout la scène. Ouais. Est-ce que si on revient sur nos pas, ça change un truc? Bah non. Et non, parce qu'on revient là. Et du coup, bah on peut pas... Genre, attends, la cathédrale. C'est page combien déjà? La cathédrale, c'est là. Ah ouais?
En gros, il n'y a que ce chemin-là qui te permet d'accéder au truc. Et voilà. Et prout. Le 8, ils disent quoi? Nya nya nya. Ok, ils disent rien. Enfin, si, si, lisible. Et je ne sais pas lire le Menzorien. Et genre, sur la carte, il n'y a rien qui est indiqué, en fait. C'est genre, démerde-toi. Parce que le trait rouge, c'est les circuits. Ça, ça va être chiant quand je vais jouer à LoL de devoir me moucher tout le temps. Ça va être relou. Ah non, là, il n'y a pas d'indice. Ça, les crânes, on s'en fout. Parce que là, c'est un chemin. Je vais revenir là. Là, c'est un chemin qu'on peut prendre que... que quand c'est en mode spectral, parce que ça c'est beaucoup trop long, on peut pas le prendre en dash divin, tu vois. Oh, tu vas me faire chier, toi, c'est ça? Bouge pas. Oh, je m'en fous, je prends des dégâts. Voilà. Flemme. Est-ce que j'ai la flemme? Oui. Oui, absolument. Voilà, genre ça. En fait, ce passage de jour, il n'est pas actif. Donc... bah, faut prendre un autre passage, sauf que là... Ça mène nulle part, on est d'accord. Ça... Nulle part non plus, ça mène vers des corbeaux de merde, qui vont être chiants à tuer. Pas si chiant que ça en fait. Bref, ça, ça mène nulle part, on est d'accord. Ah si, ça mène là. Ah ouais, attends. Bah non, on peut pas. Ça ne sert à rien. En fait, là, j'essaie de trouver un chemin qui mène ici, mais ben de jour en fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a rien qui mène ici de jour. Parce que là, si je descends, ça sert à rien parce que le chemin n'est pas praticable la journée. Ah, c'est chiant. Comment faire-je? Parce que je le sais, je sais qu'il y a une échelle secrète, mais ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas parce que d'ici, je ne peux pas... Enfin, je peux pas atteindre cet endroit. Toujours en fait. Attends, il y a un truc qui brille là. Non, pas du tout, c'est un effet de la luminosité. Non mais c'est pas possible d'avoir une échelle à dérouler dans le coin. Allez, le jeu! Comment qu'on fait? Un truc que j'aurais raté? Genre si je fais... un sortilège de recherche, il va juste m'indiquer le coffre qui est là. Ah non, je s'en bats les couilles. Eh oui. Eh oui. Comment faire? Comment faire pour venir ici de jour? Est-ce que je vais devoir check la soluce? Parce que là, vraiment, ça me paraît... pas très faisable. Là, je peux monter. Est-ce qu'il n'y a pas une qui me permet de descendre? J'ai pas l'impression, hein. Le seul truc dispo, c'est celle qui est derrière moi. Ouais. C'est pas possible, je devrais pouvoir activer un truc quelque part d'ici. Ou dasher quelque part, tu vois, genre le truc que j'ai pas vu avant, genre.
J'ai dû rater quelque chose en fait, hein. Je pense que ça doit être dans la salle secrète, parce que sinon... Si tu peux te contenter de passer par l'autre côté, cette salle ne sert à rien, on est d'accord. Tu as peut-être un truc à faire ici. Ouais, mais non. Du coup, non. Je comprends pas. Ah, c'est chiant. Genre, en vrai, depuis tout à l'heure, les énigmes, elles sont assez... enfin, relativement guidées, relativement... on va dire, il y a une logique à saisir. Là, par contre, trouver un chemin, c'est, ça devient plus compliqué. Et là, je pense que... Là, déjà, je peux plus être là, parce que ce chemin, je ne peux pas le prendre de jour. Donc, je ne peux pas atterrir ici. Ça ne sert à rien ici. Je comprends pas. Je pige vraiment pas. J'ai très envie de regarder la Soulus. Empêchez-moi par pitié. Là, c'est le moment frustrant où je suis censé avoir trouvé un chemin qui n'existe pas, enfin que je n'arrive pas à trouver. Ça me frustre grandement. Genre là, j'arrive au bout. Ouais. C'est l'échelle qui est derrière moi. Bah non, bah c'est ça en fait, hein. Triche, non mais putain. Je suis là à dire non, empêche-moi de tricher et toi, t'es en train de me dire triche, triche, triche. Ouais! Non, c'est pas bien. S'il n'y a pas un téléporteur qui amène ici, celle des téléporteurs qui est pas là. Donc il y a carrière, jardin de l'ouest, totalement ruine, sanctuaire, ruine. Début du jeu et bibliothèque. Triche, personne ne le saura. Ouah! Juste les gens qui sont présents ce soir, les gens qui vont mater la rediff, les gens qui vont peut-être regarder mes VOD. Ils seront toujours dispo dans 100 ans. Et j'aurai honte. Ah non, ça ici, tu peux pas y accéder le jour. Même si t'arrives là la journée. En fait, la journée t'arrive. Mais non, mais même la journée t'arrive pas ici. La journée t'arrive dans le chemin d'en dessous. Et au pire, si tu fais la technique de geler un ennemi. Ce sera notre petit secret. Si c'était une rêve du roi lion, je l'ai saisie en plein vol. Sache-le. Non, t'as toujours des trucs chiants à vendre. Tiens, je vais faire le plan de Myrtille parce que ça rend du mana. Et parce que ben tout à l'heure on va sûrement devoir utiliser notre sablier du temps à l'infini. On a peut-être besoin de mana. Voilà, je fais mes emplettes, ça me vide un peu le cerveau. Ça m'aide à prendre un peu de recul. Je te respecte pas, mais tellement. Mais bon, est-ce que pour autant il faut que je ne respecte pas le jeu? Ce serait triste. Coffre. Machin qu'on a vu tout à l'heure. Oh, une effigie! Je vais être riche. Attendez. Il y a un ennemi dans le coin. T'es où? T'es là. Putain, il est là. Passé derrière moi. T'es où? Salaud de merde. Non, il est là, derrière. Voilà. Non, il y en a un deuxième. Vous êtes chiants les ennemis, laissez-moi faire des énigmes en paix. Là! Il est derrière moi. Trouvé. Allez, j'en aggro un troisième, sinon c'est pas drôle. Voilà. Ouais. Là, je suis d'accord, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu dashes ici, tatati tatata. Ouais. Mais en partant de là, tu peux pas monter en fait.
je suis frustré. C'est terrible, c'est affreux. Mais ils se moquent de nous. Genre, deux jours, je peux accéder soit là, soit... le même en bas, mais le même endroit, mais un peu en dessous. Genre là, là. Mais sauf que d'en dessous, je peux pas remonter en haut, tu vois. C'est pas possible. Il y a peut-être un truc caché par la perspective que j'ai pas vu. Ouais, là, je pige pas. I don't pige. Ouais. Pif. En fait, cet endroit sert à rien. Pourquoi ils me font aller là? C'est là que je veux aller. Bon. Tant pis, on va tenter l'énigme du sablier du cul. On viendra ici plus tard. Ah non, bah tiens, j'ai envie de dire, tant qu'on est là, on peut faire l'énigme des crânes dorés. Qui sont un peu plus loin. L'énigme des crânes dorés. Ils sont dorés rouges, hein. Écoutez, moi je suis un peu daltonien, faut pas m'en vouloir. Oh, ça fait repop les ennemis invisibles, c'est ça? J'ai pas envie. Faut que je monte à cette échelle. Coucou. Tiens, 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 tiens. Donc là, c'est ça, c'est crabe là, c'est crabe. C'est crâne. Lui, je le fais tomber. Et... voilà. Toi, tu n'existes pas. Toi non plus. Un truc derrière, j'ai déjà pris ça, un coffre. Là, il n'y a pas de crâne. Là, il y a un connard invisible. Allez, viens là, connardo. Bisous. Là, je t'ai déjà allé, il y a un coffre au bout. Ah, c'est vrai qu'il y a plein de squelettes ici. Ya, ya, ya. Oh, des combats, ça faisait longtemps. Mais bon, en vrai, les combats contre les mobs, c'est pas trop un défi. Ce qui nous posait souci, c'était plus le combat contre les boss. Hein. Ah, mais tu sais pas, t'es trop bien, frérot. Si je fais ça et que je te grabe, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non ! Ah bah d'accord. Bah je te grabe. Très bien. Osef. Ok, donc toi t'es mort. Donc là il y a un crabe. Un crabe. Arrête de dire crabe enfin, Arc. Là t'as un crâne. Là. Non, ne tombe pas, petit con. Non, tombe pas dans l'eau, c'est trop chiant, putain. C'est comme au golf où quand tu fous ta balle dans un... Dans les trucs de sable là. Toi-même tu sais, ami joueur de golf. Je plaisante évidemment, je ne joue pas au golf. Ya yeah. Un de moins. Deux de moins. Donc là on en a deux. Troisième il est où? Alors c'est trois crânes qui vont à la mine. Il y en a un, il prend une pelle. L'autre il prend une pioche. Mais que prend le troisième? Pas derrière une tombe? Non. Attends, mais. Alors déjà, attends, j'en ai plus que deux. Et où le troisième en vrai? Et moi la dernière fois, il y en avait. Deux qui étaient plutôt. Oh! Attends. C'est lequel celui-là? Celui qui était qui est tombé? Non. Sors de l'eau! Oh bordel, comment tu peux trop passer à côté? Si on fait cette blague, je me désabonne. Ce qui est bon avec cette blague, en fait, c'est qu'il faut la faire plusieurs fois. C'est là qu'elle devient trop marrante. Genre désopilante. Hilarante. Tombe dans l'eau! Il n'y avait que trois crânes?
Attends, t'es en train de me dire que en jetant le crâne d'en haut, j'ai fait un panier à 3 points? Incroyable. Oui, un autre objet inutile. Nanana. Donc ça, c'était le truc page 39. Nickel. Eh ben, on n'était pas venu pour ça à la base, mais on aura au moins réussi un truc, hein. On se contente de ce qu'on peut. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait là? On retourne dans l'énigme du sablier. Parce que de toute façon, là, dans tous les cas, faut revenir la journée. Parce que là, la nuit, ça sert à rien à pas se faire souffrir. Faut revenir en journée et trouver un chemin. Sauf que le chemin, il est pas évident. Et je te déshérite. Ah ouais, carrément. Eh bien, le savais-tu, dans la législation française, tu ne peux pas déshériter tes enfants. Tu peux dire je donne ça à telle personne, ça à telle personne, tant, machin, combien. Mais tu as toujours un minimum légal à donner à tes enfants. Donc tu ne peux pas, sur le papier, tu ne peux pas déshériter tes mômes. Voilà, c'était l'information juridique du soir. Sachant que je ne fais pas du droit. Mais je suis abonné à un compte Insta qui parle de ça et c'est vachement intéressant. Non, c'est pas là. J'ai pas dit que je faisais l'énigme du cul déjà. Si, je l'avais dit, hein. C'est bien que je l'avais dit. Mais j'ai déjà oublié. C'est pareil, on va y retourner. Il est 20h29. Très précisément sur ma montre. À 21h, je check vite fait la Solus pour voir s'il y a... Genre, notamment pour la cathédrale, je check la Solus. Et je pense qu'à 21h30, je décalerai sur notre jeu. Voilà pour le programme. C'est ça que je voulais faire. On va retenter l'énigme là qu'il y a sous ce pont. Je vais jamais capter qu'il y avait un truc sous le pont, genre. Qu'est-ce que le fuc? Attends, est-ce qu'on peut passer par là? Non, on peut pas. Oh! Non. Ça aurait été trop bon, on peut pas. Par contre, on peut passer par là la journée. Faire ça, tati-tati, tati-tatou. Tout ça, bisous. Mais je repasserai plus tard. Voilà, je voulais déjà faire l'énigme qu'il y a là-dessous. Donc, ce qu'on va faire, on va équiper ça. On va équiper ça pour nous rendre du mana. Parce qu'il me semble que les myrtilles rendent du mana. Tu t'entends si mal avec tes parents? Non, pas du tout. Je m'entends très bien avec mes géniteurs. Dieu merci. Mais c'est bien de savoir. C'est bien d'être informé. Le savoir est une arme. Très bien. Alors j'ai l'impression que les contours sont nets que quand ils passent genre devant nous. Stop. Donc là ça fait pack, 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 pack. Voilà. Ah non, attends. J'ai raté un bout. Là ça fait... Ah putain, j'ai raté. Ok, faut que j'attende que ça revienne au niveau du point de départ. C'est littéralement un point en plus. Donc là c'est la fin, on est d'accord. Là le point de départ il est là. Ok, là, ça fait tac tac tac. Ok. Toujours au niveau de la droite là actuellement. Je pense que là ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Euh...
Reprends ton cours, le temps. Hop, comme ça. Là, ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je crois que c'est un peu plus mes traits. Voilà, comme solo. Et stop. Donc là, ça fait genre... Pack, 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 pack. Si c'est ça... C'est pas du tout ça. Attends, je retente. Non. Non, 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 c'est super chaud. Ah, c'est ça, les merciers rendent du mana. Par contre, il les bouffe au ralenti, c'est pas cool. Voilà, bisous. Ça aux F. Là, t'as le point de départ qui fait... Comme ça, comme ça, comme ça. Ah, mais du coup, faut se mettre par rapport au point de départ. Quel enfer! Faut adapter les directions. Du coup, il fait comme ça. Oh putain! Comme ça. Comme ça. Non, je me suis... Ah, je me suis embrouillé dans ma tête. C'est chaud. Myrtille. On va attendre de nouveau que le point repasse devant nous. Je crois que j'ai compris l'idée de cette énigme. Mais Starfoula, c'est chaud. Stop. Point de départ. Il fait comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Parce que là, c'est good. Ensuite, on est sur cette ligne. Là, ça fait... On est sur cette ligne. Je vais mettre comme ça, ça fait comme ça, comme ça. Comme ça. Toujours sur cette ligne. Là, c'est celle-là, notre point de départ. Oh, putain, attends, mais qu'est-ce qu'il fait, là, le truc? Ah, ok, c'est ça, notre point de départ. Donc là, on est comme ça. Ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Myrtille. Ensuite, putain, en fait, faut que je tourne la feuille en même temps que le truc tourne. Mon cerveau. Ensuite, ça fait... comme ça, comme ça. Sa droite. Ah, et comme ça, comme ça. Là, je crois que je suis bon. Ok, on retente. Du coup, on n'a pas du tout le même motif que tout à l'heure. Pas du tout. Let's go. Donc là, ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Bordel de merde à cul. Fichtre. Énigme chelou. Motif sur les murs. Ça, c'est fait. Tac. On va faire un petit point fait. Où est-ce qu'on en est des faits? Hop, c'était là. Je me demande ce que c'est ça quand même. Ah, peut-être aussi des pages. Peut-être d'autres indices sur d'autres pages. On verra ça plus tard. Quelle vulgarité! Ah oui! Attends, quoi? Il me reste que deux faits? Oh, attends, mais on a avancé tant que ça? Bordel, je me rendais pas compte. Incroyable, donc attends, ce serait quoi les faits qui me restent? Oh, l'énigme chelou. Et là... La cathédrale, il faut revenir deux jours. Est-ce que c'est une fée? Non, c'est pas une fée, c'est un... C'est un des objets inutiles. C'est un des objets inutiles. Donc là, admettons, je fais le sort de recherche. Pouh! Ninjutsu, sort de recherche. Oh, il y a un truc là-bas.
Y'a un truc là-bas. Y'a un truc là-bas. Fuck la cathédrale, y'a un truc là-bas. Je crois que c'était par là. Sort de recherche no jutsu. C'est où? Ouais, c'est vraiment très fort par là. Ah mais ok, il va me faire revenir... Faire revenir où d'ailleurs? Attends, je descends vite fait parce que je vais pas me faire attaquer. Hop. Il est giga pratique ce sort de recherche. Oui, ça me fait revenir là. Il est oméga pratique ce sort de recherche. Ah, c'est ça, c'est bien là-bas. C'est bien le pont. Vas-y, je vais taper une tour juste pour le fun. Ya, ya, ya. Ok. Ouais, ouais. Donc attends. Je pense que cette énigme, c'est peut-être le point de rupture où je vais lire la solution. Là, cette fois, si je la trouve pas... mais après, je... A priori, ça sera plus facile à lire d'en haut, je pense. Je sais pas à quoi servent ces deux bandes bleues. Perspective. Ambiance néon en hante à vue. En mode de Vice City. Là, on commence là. Donc, est-ce que le circuit... Ah, est-ce que ça veut pas dire début et ça veut dire fin? Non, pas du tout. Donc là, le circuit commence. Oui, ma feuille, là. Ça fait comme ça. Comme ça. Encore comme ça. Et un coup en haut. Ensuite, ça fait un coup comme ça. Un coup comme ça. Donc deux. Et un coup en haut. Ensuite, ça fait... 2 et 2 coups comme ça. Un coup en bas. Un coup en bas. Ensuite, ça fait 2 coups à droite. C'est, je suis perdu. Je sais plus où j'en étais. Un coup en haut. Là, je suis en haut. Donc là, 2 coups à droite. 2 coups à droite. Un coup en haut. 1, 2, 3, 4 coups à gauche. 1, 2, 3, 4 coups à gauche. Un coup en haut. 2 coups à droite, un coup en haut. Donc là, normalement, j'ai tout. Oh putain, je sais pas ce que c'est cette ref obscure, mais je l'ai pas. Je n'ai pas cette ref. Donc c'est parti. 3, 1, 1, 2. Mais non, c'est toujours pas ça. Hein. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Peut-être que prendre en compte le sujet du début. On va réessayer. Ok, je vais voir la solution. Ça y est. Ça y est. Ça y est. On y est. On arrive au point de rupture. On arrive au moment où l'énigme, je pense l'avoir compris, elle me paraît beaucoup trop injuste. Et je vais peut-être prendre la soluce pour les deux dernières fées. Ça, c'était là. Ça, je peux même pas savoir c'est là combien. On est à quel endroit? On a l'endroit qui ressemble à ça. Alors. Non, c'est pas ça. Ah, mais... Attends. Là, faut le faire qu'une fois. Faire gauche, haut, droite. Donc, gauche, attends. Gauche, haut, droite. Jusque là, ça va. Ah, putain, j'ai compris. Bah oui, je suis con. Ça, en fait,
Ça y est, j'ai compris mon erreur. J'ai compris où j'ai péché, mon père. En fait, faut faire chaque direction qu'une seule fois, sauf là où il y a un trait bleu, parce que le trait bleu, ça symbolise plusieurs directions. Ah, mais putain, bah oui, évidemment. Donc là... Bon, attends. On va refaire. Donc là, ça fait un seul trait. Un seul trait. Là, ça fait ou. Droite. Ou. Droite. Bas. Droite. Ou. Droite. Ou. Gauche. Il y a le trait, donc double gauche. Triple gauche. Au droite, haut. Ah, donc ce serait juste ça, en fait. Donc je teste. Tac, 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 tac. Et oui, c'était ça. Les traits bleus qui symbolisent juste la... une rupture. Oula. Par contre, la perspective est... Voilà, nickel. Une fée. Par contre, c'est-à-dire qu'il m'en reste une, hein, de fée. Où est-ce qu'elle pourrait... Qu'est-ce que j'ai pu oublier comme truc à faire? Parce que j'ai l'impression que toutes les notes qu'il me reste, c'est des notes sur les objets du cul, là, que je sais même pas si vont me servir. Oh, j'adore comment il court, ce petit renard. J'adore sa démarche. Hop là. Tchécon. Tchécon, le Saint Carnet. Je veux dire le Saint Bloc-Note. Alors, contrée sauvage sous le pont. Énigme chelou. Donc c'est ça. C'est fait. Donc peut-être que... Alors attends. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Yeah. Ok. Donc, j'en étais à... qu'est-ce qui me manque comme fée? Écoute, tant qu'on est sur la suce, on va voir ce qui nous manque. Enfin, les fées, les âmes... En fait, ça s'appelle des âmes, mais comme ça a une tête de fée dans Zelda, genre les machins qui font « Hey, listen !» Alors, bref, j'atteins de l'Ouest, ça, on l'a fait. L'arbre, les fleurs, on l'a fait. Les fragments de trucs, on l'a fait. Les fleurs numéro 2, on les a fait. Le truc sous le pont, on vient de le faire, il faut ralentir le temps. Temple C, le niveau des fleurs, c'est fait. Passer derrière la cascade à l'ouest du temple, c'est les nananas. Alors ça, on l'a déjà fait, c'est un des premiers trucs qu'on a fait. Temple C, on l'a fait. La bibliothèque, on l'a fait. Forteresse de l'Est, on l'a fait. Truc à la montagne enneigée, on l'a fait totalement au pifomètre, mais... On l'a fait. Le petit renard qui danse, on l'a fait. Le truc dans la maison avec le lit, c'est bon. Ça, avec la tour, on vient de le faire. Ah, le... Ok, donc les trucs éoliennes, là, on l'a fait. Est-ce que tu t'en souviens derrière la cascade? On l'a fait, ça? Ah oui, on l'a fait, c'est l'ennemi qui bougeait. Il y a 2 secondes. Le cube, on l'a fait. Oh, t'es sérieux? Ça, on l'a pas fait, par contre, mais ça... Pareil, mais ça, si tu lis pas la soluce, comment tu le trouves? Merde. Est-ce qu'il y a un indice, ça, pour t'y amener, en fait? Non, c'est en fait je passe devant totalement au pif. Je vais vous montrer où c'est, vous allez dire, mais oui, mais enfin, mais qu'est-ce que putain de quoi? Enfin, Gérard. Raté. Donc, la 20e fée, le truc impossible à improviser.
J'ai l'impression, hein. C'est là. Vous voyez là le motif ou pas? Est-ce que vous le voyez? Alors moi, par exemple, j'ai un petit souci avec les nuances de gris. Donc moi, si on me dit pas que là, il y a un motif, comme c'est dit sur la soluce, ben, en fait, je le vois pas. Du coup, bah voilà. Ne soyez pas daltonien. C'est pourri. Ah, c'est pas ça. Mais... Mais enfin... Ah ! Ah, mais ça continue derrière ! Mais saloperie ! Oh là là, mais t'as pas honte ! Alors attends, faut que je le recopie. Donc, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. 50 nuances, moi j'en ai beaucoup moins. Des nuances de gris dans ma vision. Par contre, c'est bien que le LT, je vois pas. Ah, là ça fait comme ça, ça revient, ça remonte, ça fait comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Ok. Ça continue sur le mur derrière. Ok, bon. Alors, j'ai pas trop à rougir parce que. D'avoir regardé la soluce, parce qu'il y avait une énigme. Bon, là c'est my bad, je l'ai mal compris. C'est la tour. C'est la tour, j'avais pas compris que les traits bleus c'était des breakpoints en fait, entre deux directions. Et celle-là, si je ne me concentre pas très fort dessus, je ne vois pas qu'il y a un motif en fait. Et je physiquement, je ne le vois pas. Voilà, du coup. S'il vous plaît, pensez aux gens qui voient pas bien les couleurs. Comme moi. Du coup, on a récupéré toutes les fées. Eh oui! Du coup. Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'il y a un truc avec les fées? Oh là là, on a 20 âmes et on a un coffre. Le coffre! Oui, un objet doré! Bah du coup je suppose à me rapporter 20. Je suppose que c'est ça les objets dorés en fait. Enfin, c'est ça l'itinéraire doré, c'est récupérer les 12 objets dorés. Ça me semble chelou quand même. Faire la quête des fées, page 58, c'est good. Ça c'est bon. Cathédrale, ben faut revenir de jour. Faut revenir deux jours, et eh ben on va retenter. Non, attends. C'est pas ça que je voulais. J'ai vite fait check la soluce, voir s'il il donne pas l'itinéraire, tu vois, tu sais, pour le... Pour les catacombes. Bah non, en fait, pour eux... Faut revenir par là, mais c'est pas possible de revenir par là, genre. Faudrait peut-être que je voie une vidéo. Un walkthrough. J'ai jamais voulu ça. Qu'est-ce que t'as jamais voulu? J'ai pas compris. J'ai raté un truc. On va retourner à la cathédrale. On va la... Check si on a pas raté un truc. Check. C'est pas par là, plutôt par là. Donc du coup, si mes calculs sont exacts, il me reste plus que deux objets inutiles à trouver et après on est le roi du monde, c'est ça? Je sais pas ce qu'on va faire après, mais... C'est quand même le but. Je voulais pas faire ça. Ah oui, mais alors... Oula! Alors je voulais pas faire ça, je pense que c'est une phrase que je dois dire 20 fois par minute. Est-ce que ce serait pas par là, un chemin que j'aurais pas vu? Ben non.
Est-ce que ce serait pas là? Un autre chemin que j'aurais pas vu? Ou un chemin invisible? Non, pour de vrai, là, le jeu me mindfuck complètement. Qu'est-ce qu'a dit la Solus? Exprime-toi avec des mots. Entrez dans le passage avec la cathédrale, faites le tour pour récupérer une échelle, bah ça je l'ai. La porte d'entrée. Attends. Cette merde. Ancien cimetière, pénétré dans la cathédrale, nanana, entrez dans la salle de gauche, interagissez derrière le mur, donc ça c'est bon. Le mur, nanana, derrière le coffre. Placez-vous devant le mur, entrez la séquence je l'ai déjà mis. Notez que vous apercevez le coffre contenant l'objet inaccessible pendant la nuit. Jusque là ça va. Entrez dans le passage pour vous trouver à l'extérieur. Pareil, jusque là ça va. Faites le tour pour repérer une échelle qui permet de rejoindre la porte d'entrée. Jusque là ça va. Revenez ici pendant la journée. Mais c'est pas possible! Comment tu fais? Je vais retenter hein, de reprendre l'itinéraire. Cet itinéraire à la con. Tac, tac. Tac, 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 tac. Si ça se trouve, la solution, elle est toute bête. Et je suis passé devant 10 milliards de fois. Sans la voir. Alors, après, il y a peut-être moyen de remonter en passant par là, mais il me semble pas. Bah non. Bah du coup, ouais, comment on fait pour remonter, en fait? Comment remonte-je? Pour y parler, c'est pas possible. Si je prie. Oh, man, fais-moi remonter, saloperie! Non, d'accord. Non, mais il y a un chemin. Je me doute. La question, c'est il est où ton chemin? Où est le chemin? Parce que là, on peut pas passer de là à en haut, en fait. Pas un escalier secret, un truc. C'est pratique parce que je vois pas où je vais. Je vois pas où je vais. Ouais, non. Et par là. Ah, franchement, j'y mets pas la mauvaise volonté. Hein. Apparemment, ça a l'air évident dans la Solus, mais comment diable fait-on pour remonter en haut, en fait? Fameux jeu en aveugle. Bah ouais. Oui. Là, complètement. Là, je ne comprends pas. Comment remonte-t-on en haut? Est-ce que c'est par là? Parce que là, il y a un rocher que j'ai pas vu et... Et machin, non? Bah non. Là, on peut pas descendre avec ces débris? Non, j'ai pas l'impression. Là, je reviens là. Là, si je vais là... Non, pas possible. Là, je peux pas descendre là, parce que c'est la merde. Oh, je me suis cassé la gueule. Trop bien. Ouais.
Et là, genre, y a pas d'ennemi que je peux geler pour faire ma technique de fourbe. Apparemment pas. Ça me paraît dingo, comment je remonte? Putain, je l'ai résolu l'énigme en fait. Il me manque juste à savoir comment remonter. C'est terrible. Bordel! Bon, attends. Alors, attends. Là, on va invoquer YouTube. C'est quoi qu'on gagne à la fin? C'est... Ah, statue de renard... Une statue de renard doré. Là, si je tape tunique... objet doré cathédrale. Est-ce qu'on n'a pas un walkthrough? Pour nous dire par où faut passer. Parce que là, je pète un câble. Tac. Ah, c'est le truc, une légende secrète. Nanana, quoi contre le mur, nanana, nanana, ok, ok. Ok, dans le monde des vivants, ensuite. Putain, il y a un pilier écroulé dans l'eau, mais il est où? J'ai l'impression que j'ai dashé 20 fois dessus. Qu'est-ce que c'est que cette emote? Ah, il est horrible. Oh mon dieu. Apparemment, il y a un pilier effondré dans l'eau, il est où? Il est où? Ce fameux pilier? Non, pas là. Peut-être là? Non. Oui. Ce serait pas là, non? Mais il est où ce pilier? What the fuck? Je suis même pas passé devant. Attends. Nanananana. Pour l'atteindre, chercher le pilier écroulé dans l'eau et monter dessus. Mais il est où ce pilier, bordel de merde? Ah putain! D'accord, j'ai compris. C'est bon. Je suis juste pas passé par le bon chemin. En fait, faut bien arriver par le bas. Dash sur un pilier qui est là. Mais c'est la merde. D'accord, j'ai compris. Compris, faut en fait passer par le petit chemin qui est en bas. Ouais, c'est pas évident, hein. Merde, hop, on passe par là, ok, bim. Alors puis déjà, faut aussi savoir qu'il y a cette planche. Hein, c'est pas forcément évident. Donc là, on arrive par là. Tatati tatata. Le pilier écroulé dans l'eau. Ah putain, il est là. Eh non mais... Et donc là, je lâche de pilier en pilier. Eh ça va, vous êtes pas plus tordu comme énigme? Par rapport à l'endroit où il faut passer. Je me casse, hein. Bisous. Oh non, par contre, je vous speedrun, hein. C'est ça. Attends, non, c'est pas par là qu'il faut aller. Merde. C'est par là qu'il faut aller. Mais... Ah non, mais je suis con. Eh. Eh oui, je suis con, celui de redescendre par là. C'est par l'autre chemin. Et il y a toujours des saloperies invisibles, même quand il fait jour, hein. Il me lâche pas, hein, c'est terrible. Ok. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, le dash divin, quel bonheur. Et donc là, en effet, on revient bien au bon endroit.
Oh mais bordel! Qu'est-ce qui m'empêche de rentrer là en fait? D'ailleurs... Oridashi! Qu'est-ce qui m'empêche de rentrer là? Ah bah oui, je suis con, je peux pas passer par là parce que les chemins qui sont présents la nuit, ils sont effondrés la journée. Il y avait des chemins spectraux qui menaient au truc. Donc là, faut que je descende par là. Donc c'était ça l'intérêt de l'énigme, c'est bon, j'ai capté le truc. Parce qu'en fait, je reviens par ici. Et... Donc là, tu viens là. Et... là, tu prends le coffre. Oui. Ok! Excellent! Donc ça, on l'avait quasiment.